Salut, aujourd'hui je te raconte l'histoire de Féfé le bûcheron. Pour te raconter cette histoire, je me rends à un col et c'est justement l'histoire de Féfé le bûcheron qui a donné son nom à ce col. On est arrivé au col, il est juste derrière moi. L'histoire de Féfé se situe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et qu'est-ce qui se passe à cette époque? Et bien tout simplement, l'Allemagne a, suite à la guerre de 1870, annexé l'Alsace et la Moselle. Du coup, les Vosges sont une frontière naturelle mais aussi administrative entre la France et l'Allemagne. Et notre bon Féfé dans tout ça, et ben, il est français et surtout il est vosgien. Et en plus, et ben, c'est un bûcheron Féfé. C'est le genre plutôt colosse et travailleur. D'ailleurs, ce col qui est juste derrière moi, c'est l'espace de travail préféré de Féfé, c'est l'endroit où il traînait le plus souvent ses guêtres. Et Féfé, en plus d'être vosgien, il a une particularité physique. Féfé, c'est un homme tristiculaire. Tu te demandes ce que veut dire tristiculaire? Eh ben en fait, ça veut dire tout simplement que Féfé, eh ben il a trois couilles. Parfois, dans l'entourage de Féfé, pour rigoler, on disait qu'il était tristiculaire. En gros, ça veut dire qu'il avait beaucoup de couilles. Bon là, tu me crois ou tu me crois pas, mais avoir une burne de plus que les autres, ça influence forcément un peu ton caractère. Et Féfé, il était quand même pas commode, il avait la bagarre facile. Et c'est là que commence son histoire. Je te dis tout à l'heure, Féfé, il bûcheronne sur une zone frontière. Il a toujours fait ça et il entend bien continuer. Et un jour où Féfé travaille tranquillement dans son coin préféré, une patrouille de gardes frontières allemands passe par là. Les gars sont plutôt joueurs, se comportent un petit peu en vainqueur de la guerre, et ont décidé un petit peu de casser les burnes à Féfé. Les gars sont 5, ils sonnent fort, ils sont armés, et commencent à chercher des noises à Féfé, genre « tu bûcheronnes du mauvais côté de la frontière, tu es en train de couper des arbres qui sont aujourd'hui allemands ». Et là forcément, ce qui devait arriver arriva, Féfé il a fumé les 5 gardes frontières. Bon les gars, ils avaient beau avoir des fusils, ils n'ont pas le temps de s'en servir. Féfé, il avait sa hache. Ça a été très vite, je vais pas dire sans souffrance. Au final, les 5 gardes frontières se sont fait maraver, mais quelque chose de bien. Bon, tu penses bien que Féfé était dans son bon droit. Il bûcheronnait du bon côté, puisqu'il connaissait la forêt par cœur. Du coup, les Allemands, eux, ils n'étaient pas du bon côté. Alors au final, cet incident n'a pas été bien loin. On a évité l'incident diplomatique, et puis on a étouffé l'affaire. Et depuis, à cet endroit, on a mis un petit mémorial en hommage à Féfé. On est parti du principe que ce qui donnait son courage et sa force à Féfé, c'était ses burnes. Alors après sa mort, on les aurait momifiés et on les aurait installés sur cette grosse pierre derrière en guise de mémorial. C'est une pierre à proximité du col. On va aller voir ça de plus près. Bon, alors forcément, tout n'est pas tout simple. Hein. Des couilles, il y en a plusieurs. Bon, alors c'est sûr que là, ça ressemble plus à des pruneaux qu'à des grosses... Mais faut quand même que tu te dises qu'à la base, elles sont momifiées. À ce qui paraît, si tu portes les couilles à Féfé, tu vas attraper sa force et son courage. À cet endroit, c'est un petit peu comme le rocher d'Excalibur, si tu veux. Sauf que là, plutôt que de retirer une épée du rocher, il faut juste que tu reconnaisses les trois couilles à Féfé. Et attention, t'as droit à un seul essai. Si tu te trompes, tu risques de perdre les tiennes. Bon allez, je te donne le truc. Féfé... C'était un bon bosseur, mais l'hygiène, c'était pas son fort. Du coup, ces burnes, elles sentent un mélange de minster et de poisson. En voilà une, plus que deux à trouver. Bon, je pense avoir trouvé les trois couilles à Féfé. Et à ce qui paraît, le mieux pour avoir le courage et la force de Féfé, c'est de les mettre dans son slip. Merde. Forcément, j'ai oublié comme un détail. Puis du coup, Falco, il a bouffé une couille à Féfé. Puis j'ai pas de poche non plus. Faut que je trouve une solution. Non, 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 non
même. Non, non. Ah. Putain, je suis vénère. Même avec deux, ça marche. C'était l'histoire de Féfé, le bûcheron à trois couilles. Et puis par la même occasion, je vous ai montré donc le col du bûcheron à trois couilles, appelé aussi le bûcheron tristiculaire. Bon, les couilles à Féfé, je les ai remis à leur place. Beaucoup trop de pouvoir, beaucoup trop d'énergie à maîtriser. J'ai peur de ne pas réussir et de basculer du côté obscur. Je vais me calmer avec une petite infusion. Et puis tu as remarqué qu'aujourd'hui, je ne fais pas de feu. J'ai utilisé un réchaud à gaz. Tout simplement, on est au printemps. Il y a du vent et puis c'est la période de la montée de sève dans les résineux. Montée de sève plus vent rendent la forêt vosgienne plus sensible que d'habitude aux incendies. Pour l'heure, cette vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à une prochaine.